qu'est-ce que tu aurais à dire sur non seulement ta présence dans le mouvement, mais aussi sur ce qui s'est passé dernièrement à Pessac. J'ai dit, ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai allumé la télé au moment où Macron est arrivé, au débat de... Et genre, je crois, 3 secondes après, il y avait Marlène Schiappa qui a sorti une phrase, et je trouve que ça correspond bien parce que... d'ailleurs, toute l'Assemblée a rigolé quand elle a dit ça. Elle a dit, quand il y a un homme qui débarque en costard-cravate, on dit, oh là là, c'est un expert. Et ça faisait quoi, 2 secondes que Macron était rentré dans la salle. Et quand il y a une femme qui est là, on se demande ce qu'elle vient faire là. Et au final, lui, il a fait son monologue, il a volé. C'est Marlène Schiappa qui aurait dû, après je ne la porte pas dans mon cœur, hein, mais en tant que femme, c'est Marlène Schiappa qui aurait dû mener le débat, qui aurait dû répondre aux questions, qui aurait dû... C'était quelque chose entre femmes, normalement. Et lui, il arrive et puis il monopolise la parole, comme il fait à chaque fois dans tous les débats. Hein, c'est triste. C'est triste. Il y a un manque d'éducation envers les hommes qui savent pas. On leur apprend pas ce qu'il faut faire et ne pas faire. Dans leur comportement avec les femmes, c'est ça? Ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu aurais à leur dire aux hommes alors par rapport à ça? Bah, qu'il n'y a ni sexe faible, ni sexe fort. Que l'homme et la femme se complètent. Tout simplement. Je ne suis pas féministe, hein. Je ne suis pas... On est tous égaux. On a besoin de l'un de l'autre, quoi. Je te remercie. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aussi sur la place des artistes dans la société, dans leur rôle, dans le mouvement, des choses comme ça? Bah, il faut qu'ils fassent passer un message. C'est pour ça que les artistes utilisent leur projet pour lutter. Oh,